La Fureur vous est présentée par Pontiac. La Fureur vous est présentée par Saint-Hubert. Ça va être bon. La Fureur, une présentation Lise Wattier. Jouez la couleur. 12 mai 2000, c'est la dernière Fureur de la saison. Le match des étoiles. Bonne réponse. L'Ange Vagabond. Bonne réponse. Yes. Les filles mènent le bal. Les gars. Mais, revirement dramatique, les gars leur donnent le pion et les battent en finale. Bonne réponse. Yeah. 14 à 9 pour les gars. Nouveau départ, ça va faire mal, c'est la fureur. Les filles, attention, c'est le retour du plus grand variété au Québec. Chantez, dansez, juste pour le fun, mais surtout pour gagner. Les gars, il n'y en aura pas de facile. Laissez-vous pas impressionner par les jupettes et les fossiles et donnez votre 150% avec Sylvie Moreau et Serge Postigo. Marie-Joanne Boucher et Benoît Langlais, Sophie Préjean et Michel Poirier, Élise Marquis et Sébastien Benoît. Et voici enfin l'été, notre paix des chaleurs, Véronique Cloutier. Du bien de vous retrouver. Bonsoir en studio et bonsoir à la maison. Bienvenue à cette troisième saison de La Fureur. On est vraiment contents d'être de retour. On est prêts avec une belle énergie, plein de nouveautés pour vous cette année. C'est la première ce soir en direct. On est très excités comme d'habitude. Merci. Ce soir, nos invités à la portion musicale en musique, les Nerds et Mario Pelcha, sous la direction d'Hélène Dallaire. Nos musiciens, nos choristes à qui je souhaite une bonne saison également. Je vous parlais de nouveautés cette année. Eh bien, dès ce soir, on est diffusé en simultané sur les ondes de C'est quoi 96.9 et Cool FM 98.5 pour la région de Montréal. Alors, c'est une nouvelle association pour nous. Vous pouvez nous écouter en simultané, en direct jusqu'à 21h. Et voici tout de suite nos deux équipes pour cette semaine. On commence avec les filles. Élise Marquis est de retour cette année. Élise Marquis qui faisait partie de notre match des étoiles. Élise, ce soir, on tente de remonter ça. Oui, oui, je m'en suis fait parler tout l'été de notre défaite. On part la saison en grand ce soir. Voilà, on va gagner, n'est-ce pas les filles? C'est un plaisir de te retrouver, Élise. Merci beaucoup d'être là. Sylvie Moreau dans l'équipe des filles ce soir. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Véronique. Sylvie, plusieurs choses pour toi. Il y a l'Odyssée qui reprend. La semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Et il y a également une nouvelle émission ici à Radio-Canada. Oui, Catherine. Oui. Il y a Catherine. Il y a Catherine qui revient. Oui, oui, excuse-moi. Et il y a aussi la nouvelle émission le samedi soir. Mais là, on est trop énervés, on ne peut même pas en parler. Merci, Sylvie. Bon match. Une régulière chez nous, Sophie Préjean est là. Bonsoir. Bonsoir. Sophie, au match des étoiles, tu nous as éblouis avec ta performance dans My Heart Will Go On. Merci beaucoup. Merci.
Mais ce soir, c'est en tant que joueuse que tu fais ton retour. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est autre chose, hein? C'est ça. Oui. Au lieu de chanter, on va essayer de trouver des titres ce c'est soir. C'est ça. Oui. Merci, Sophie. On va se concentrer. Amuse-toi bien. Merci. Et finalement, de Virginie, Marie-Joanne Boucher est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Joanne, il y a Virginie qui reprend le 4 septembre prochain. Oui, oui, oui. Mais il y a autre chose pour toi aussi. Bien, je vais jouer au théâtre octobre-novembre à la Licorne dans une création qui s'appelle Territoire. Vous viendrez me voir. Pour la voir sur scène, certainement. Merci beaucoup, Marie-Joanne. Merci. Et bon match, les filles. Chez nos garçons maintenant, Sébastien Bonnard. Allô? Écoute, c'est le retour d'un champion. As-tu entendu ça? Ah, ben c'est le fun. Ça fait très plaisir. Puis, écoute, on passe un bel été. Je veux pas faire la comparaison avec Élise, mais les gens t'en parlent. C'est incroyable l'impact de ce show-là. Tu sors, tu fais l'épicerie, tu t'en vas dans un bar. On a gagné la dernière. Alors, c'est extraordinaire. Sébastien, on est des collègues maintenant. Ben oui, alors Tam Tam qui jusqu'au 1er septembre à 19h, le magazine culturel de Radio-Canada, oui. Et puis je m'en vais aux Olympiques aussi. Oui, au jeu de Sydney, exactement. Jeu de Sydney, un show qui s'appelle Le Monde à l'envers, 16 jours à partir du 16 septembre entre 17h et 18h. L'envers des jeux, vous saurez tout ça, moi. Puis la radio, à C'est quoi, puis à cool, cool aussi. Aussi. Ben merci, ouais. Sébastien. Ben merci. C'est sa deuxième visite chez nous. On est très contents qu'il revienne nous voir. Serge Postigo est là, bonsoir. Ouais! Bienvenue, Serge. Ben, hey! On est très, très contents que ben, tu viennes. Je suis très content d'être là, surtout pour ta première. T'es dans une bonne équipe aussi. Oui, je suis dans l'équipe des gars. Oh, oui, oui. C'est pas ça que je voulais dire! Serge, il y a un spectacle qui s'en vient pour toi également cet automne. Oui, il y a plein de choses cet automne, mais entre autres, il y a 100 ans de chansons au Rideau Vert au mois de décembre. Il y a un automne très occupé, je reviendrai t'en parler du reste. Ah, ben, ça me ferait plaisir. Merci Parfait. Beaucoup, Serge. All right, ça marche. Un régulier à la Fureur, Michel Poirier, est là ce soir. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Michel, très occupé ces temps-ci. Oui. Des tournages, oui, plein de choses. Oui, c'est ça. Mon quotidien. mais tournage, oui, une nouvelle série, mais qui va être en onde ici à Radio-Canada qu'en 2001, à l'automne 2001. Alors, j'ai amplement le temps de venir vous parler, si vous me réinvitez. Oui, il faut que tu sois bon ce soir. C'est ce soir que ça se joue, là. Tu vois pas ça, là? Bienvenue, Michel. Allez, merci beaucoup. Et merci. Finalement, un autre habitué, Benoît Langlais, est avec nous ce soir. Bonsoir, Benoît. Salut, Benoît. C'est le petit bébé de la Fureur. C'est notre enfant à tous ici à la Fureur. Notre bébé. Benoît, t'es prêt? Ah, je suis vraiment prêt. J'ai fait mes leçons cet été. Ouais, j'ai étudié. Ouais, j'ai étudié toutes des tunes, toutes des chansons punk rock, punk ska, des chansons qu'on retrouve ici à la Fureur. Ouais. Bon, lâche pas. Merci beaucoup. Merci. All right. Bon match, les gars. On y va tout de suite avec le cri de ralliement. C'est parti. Premier jeu n'a pas changé, c'est la chanson arrêtée. On commence avec les filles ce soir, une chanson qu'on va dédier à Sophie Préjean pour l'occasion. Voici « J'ai rencontré l'homme de ma vie ». Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, 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 je
qu'on soit content. On y va avec les gars maintenant. Et un succès de Claude Dubois, voici Femme de rêve. Bonne chance. Femme de rêve, femme d'espoir. Pour nous et des histoires de Carmen. Restez là! Propriétaire de Grand Dame, n'oubliez surtout pas de lui rendre le double de ses clés. La Grand Dame de Pontiac, la passion de conduire. Louez une Grand Dame pour 248$ par mois ou obtenez 0,9% de financement à l'achat. Energizer E à la puissance 2. La toute nouvelle pile au cœur de titane qui vous fait passer à la puissance supérieure. E à la puissance 2. Frissons garantis. Ils avaient d'autres engagements et d'autres carrières. Mais sur le terrain de jeu, c'est tous pour un pour tous. Keanu Reeves, Gene Hackman, les remplaçants, présentement à l'affiche. Toi, Claude, serais-tu capable de magasiner un ordinateur? Aucune idée. Rien que d'y penser, des fois, ça me rend malade. Oh, ben non. Il faut détendre. Jardiner, bricoler, voyager. C'est simple comme bonjour. Dès le 4 septembre. Ailleurs, il y a la MI5, la CIA. Mais ici, tout près, autour de vous, saviez-vous qu'il y a la RC? Agence de renseignement centralisée. Attention, cet automne, vous serez sous haute surveillance. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail, je suis dans la merde aussi. Mais un objet symbolique vient changer sa vie. Et votre nom à vous, c'est quoi? Eddie Vuibert. C'est juif? Je t'engage demain à la boutique commande. Le travail dont il a toujours rêvé lui tombe dessus, l'argent coule à flot, l'amour le poursuit, la vie n'a jamais été aussi merveilleuse. T'es vraiment juif? Non mais cessez de m'appeler mon père, je suis rabbin. La vérité sigement, à Comédie Comédie, lundi 20h.
albums les plus vendus au Québec cette semaine. En cinquième, l'album 7 de Mario Pelcha, notre invité ce soir. Au numéro 4, La Chicane avec En Catimini. Nicolas Ciccone occupe le troisième rang avec L'Opéra du Mendiant. L'album Jukebox Vacances est au numéro 2. Et numéro 1 cette semaine, À l'ombre de l'ange, Éric Lapointe. On est de retour à La Fureur en direct ce soir. C'est notre première émission de la saison. Très content d'être de retour. Il y a plusieurs jeux qui s'en viennent. Il y a des jeux qui sont à venir plus tard dans l'émission, mais entre autres, un nouveau jeu qui s'appelle La Fosse aux chansons. Je vous invite à rester des nôtres, à ne pas manquer ça. On a eu beaucoup de plaisir à préparer ce jeu-là pour vous. Pour l'instant, voici le pointage de la chanson arrêtée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne? C'est 2-2. Eh oui, c'est à égalité, ça se poursuit plus tard, mais pour l'instant, voici notre première prestation. Alors, vous connaissez sûrement le succès de la formation Dead or Alive qui date de 1984, qui s'appelle You Spin Me Round. Eh bien, un des gros succès de l'été 2000 est une reprise de ce succès fait par un groupe, le groupe qui s'appelle Dr. Adley, que nous, on connaît sous le nom des Nerds. Les voici! Je pourrais t'admirer. Pour toi, attends de l'éternité. What I know is that to me it looks like a lot of fun. Open up your love and up. Watch out here. Come and spin me round, round. Baby, right around. Like a record, baby, right round, round, round. You spin me round. Et je t'ai regardé. Oui, le plein de métis se regarde sur moi. Tes yeux m'ont transversé. What I know is that to me. It looks like you have to fight up and up and up and up. I want you. Tu m'as prédit qu'il n'a pas son dos. Et le tapis tu. Je me suis enivré. All I know is that to me. You look like you're out to fight. Open up your love and I'll try to out here. Come and spin me round, round. Baby, right round. Like a legend, baby, right round, round, round. You spin me round, round. Baby, right round. Like a legend, baby. Bienvenue à La Fureur! Ce succès-là que vous avez entendu à la radio tout l'été, on le retrouve sur cet album-là, oui. L'album des Nerds, et qui comprend plusieurs autres pièces, évidemment. À peu près 3 interprétations, puis... 10 chansons originales, ouais, à peu dix, près, c'est non, ça, donc... 7,
7 à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, des compositions originales de la formation. Il y a entre autres une reprise là-dessus de With or Without You de U2, c'est ça? Exactement. Et vous pouvez les voir en spectacle. Je vous donne les dates tout de suite. Au Living Room à Sherbrooke le 16 août. Au Dagobert, ça c'est leur temple. Tout le monde les a vus en spectacle là-bas. 18, 19 et 20 août prochain. Et il y a des supplémentaires à Sherbrooke. Le 31 août, Pub en Ville à Trois-Rivières. Et le 4 septembre au Living Room de Montréal. Alors merci beaucoup. Au Living, pardon. Merci. Merci beaucoup. Les Nerds, on poursuit avec un autre jeu. Alors maintenant, c'est le questionnaire musical cette semaine. Pour célébrer notre retour à la fureur, on va faire une histoire de Carmen. Hélène, c'est parti! Carmen, raconte-nous ta semaine. Carmen, tes joies et tes pépines. Carmen, tous tes contes de fées, tous tes films d'horreur, on va les chanter. Carmen, la vie fait fureur, on va te chanter à la fureur, Carmen. Hé, une histoire de Carmen! Alors, vous savez que vous devez trouver le titre que l'on cherche évidemment. Un point par bonne réponse et il y a des droits de réplique. Attention, Carmen rentre de vacances. Toutes ses copines de bureau veulent savoir c'est quoi ce grand sourire-là dans sa face. Carmen se contente de dire qu'elle a rencontré quelqu'un. Les filles veulent en savoir plus et comme dans Grease, elle lui chante... Attention, les gars! Summer Nights. Bonne réponse! C'est Summer Nights, bravo. J'ai Sébastien. Honte. Serge, tu l'avais oublié. J'ai honte. Parce qu'il a joué dans Grease quand même. Deuxième question. OK, Carmen déballe son sac. Un nouveau voisin a emménagé dans son immeuble et pour fêter son arrivée, il a invité tout le monde à une épluchette de bananes. Les gars! Mon voisin! Bonne réponse! Mon voisin là-haut, c'est un rastaman. Il m'a invité chez eux pour une épluchette de bananes. Il y avait ses chums, sa femme. Alors, c'était mon voisin, les frères à cheval. C'est rapide, Sébastien, quand même. Troisième question, les filles, ça va, ça va. Super emballée par son nouveau voisin, Carmen raconte qu'elle ne portait plus à terre à tel point qu'au fameux party, elle a chanté toute la soirée ce succès de Katrina and the Waves. Les gars! Walking on Sunshine. Bonne réponse! Encore, les filles. Attention. Quatrième question. Alors, une quatrième question maintenant. Alors, après ce petit moment d'encouragement, voici la quatrième question. Finalement, Carmen est restée chez son beau Jamaïcain toute la nuit et le lendemain, elle s'est réveillée en lui chantant à l'oreille cette chanson de Gainsbourg, reprise par Kid Fléau. Les filles! Au café! Bonne réponse! Question maintenant.
Après 3 jours, Carmen s'est rendu compte que son beau voisin cherchait une façon de lui annoncer qu'il souhaiterait la voir à temps partiel. Pour faire passer le message, il lui a acheté une copie de ce succès de Stevie Wonder. Les gars! Part-time lover! Bonne réponse! A pris ça en riant. Elle se doutait bien que son nouveau voisin lui serait fidèle un gros 48 heures. D'ailleurs, elle lui avait déjà trouvé un surnom, celui d'un grand courailleur italien qui, comme par hasard, est le titre d'un succès de Les gars! Gino Lamoroso. Mauvaise réponse! Droit de réplique! Droit de réplique, est-ce qu'on termine l'indice? Un succès de Martin Deschamps. On est en droit de réplique. On est en droit de réplique. Merci. Les filles, chut, une réponse, s'il vous plaît. Casanova! Pardon? On était en droit de réplique. Non, je l'accepte. Casanova. Bonne réponse. Prochaine à la fureur. 7e et dernière question, attention. La fin de l'histoire. Un beau jour de juillet, le Jamaïcain a joyeusement disparu. Question des copines, comment Carmen peut-elle garder son grand sourire? C'est simple, chaque matin, elle se lève en écoutant le hit des Forbans. Les gars. Droit de réplique. Chante et danse. Bonne réponse. Après ce deuxième jeu, s'il vous plaît. On a combien? On a 6 à 5 pour les gars. On s'arrête. Au retour, le nouveau jeu, la fosse aux chansons. Manquez pas ça et on va à la pause avec les Forbans. Ouais, puis que les Timbits, on dirait. Pour un temps limité, Tim Horton vous offre la boîte de 20 Timbits pour seulement 1,99$. Les Timbits de Tim Horton. Du Tim, comme je l'aime. Ben voyons, c'est pour le féliciter. Je m'en suis pas rendu compte, ils sont tellement bons. Écoute, mais au prix que ça coûte, ils vont tellement en acheter une autre boîte ou deux. T'en veux-tu une, toi? La question, c'est... Que ferais-tu si tu savais que tu es invisible? Imaginez le pouvoir de satisfaire tous vos désirs. Si vous saviez à quel point c'est le pied. Imaginez la liberté d'agir sans en subir les conséquences. Mon Dieu. L'homme sans ombre, présentement à l'affiche. Ce petit clin d'œil olympique vous est proposé par la Batte Bleue. Quand on va en compétition, on a souvent des temps morts, donc il faut trouver des activités pour pas s'emmerder ni non plus angoisser sur la compétition. Ce qu'on avait fait une fois aux Bermudes, c'est qu'on a fait un défi, il fallait tenir une coquerelle dans nos mains. Ils sont énormes, ils sont vraiment laides. Il n'y avait pas de fille qui était intéressée à faire ça. C'est particulier, mais ça met de la vie en même temps. Retrouvez nos athlètes aux Jeux olympiques dès le 15 septembre à Radio-Canada.
Préféreriez-vous passer quelque temps avec ce joli hamburger ou avec cette jolie dame? D'accord. Et si on y ajoutait du ketchup épicé Heinz avec une touche de tabasco, choisiriez-vous le hamburger ou la demoiselle? Le ketchup épicé Heinz, c'est délicieux, mais ça n'a pas d'aussi beaux yeux. Si Tag avait été quelqu'un de normal, je serais jamais tombé en amour avec. J'ai peur qu'il finisse sa vie avec une balle entre les deux yeux. Je veux pas être avec quand ça va y arriver. Tag, cet automne à Radio-Canada. Ce soir à Zone Libre, un photographe provoquant dans une Amérique puritaine. Des milliers de gens acceptent de poser nus en public pour Spencer Tunick, un photographe qui se bat pour rester libre. Zone Libre, ce soir à 21h. Dimanche, Radio-Canada met l'été en musique. D'abord plongé dans l'ambiance de la fête nationale des Acadiens. Puis assister au grand concert donné par la contralto Eva Podlèche en compagnie de l'OSM, sous la direction de Charles Dutoit. Dimanche à l'été de la musique, voyez l'Acadie en couleur à 20h. Et à 21h, le Festival international de la Naudière présente Eva Podlèche. On a recommencé notre saison. Je sais que vous avez sûrement envie de venir vous voir, en fait, nous voir, en fait, j'espère. Alors, vous pouvez réserver vos places tout de suite au 514-790-0040. C'est une boîte vocale. Vous laissez un message et on vous rappelle. 514-790-0040. Il y a des prix à gagner également pour les gens qui viennent jouer avec nous. Denis Fortin, notre nouvel ami. Denis, s'il vous plaît, les prix. Les filles, les gars, vous connaissez l'adage tout nouveau, tout beau. Lise Wattier offre un rouge à lèvres ou un mini parfum neige pour hommes aux membres supporters de l'équipe gagnante. De plus, si votre équipe goûte à la victoire, vous repartirez avec un certificat cadeau électronique de 40$ échangeable dans les rôtisseries Saint-Hubert. Et finalement, il n'y a rien de trop beau. Un des gagnants méritera un certificat d'une valeur de 4000$ échangeable chez Germain Larivière, le spécialiste en ameublement et en appareil électronique. Avec ce cadeau, vous ferez fureur! Merci beaucoup, Denis Fortin. Et rapidement, je vous parlais de nouveautés en début d'émission, nouveau décor, nouveau jeu et également un nouveau concours qui s'en vient pour vous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes au Québec et partout qui nous regardent en famille. On a un concours cet automne, on vous donnera tous les détails au cours des prochaines semaines, qui s'appelle « Faites fureur en famille ». Alors, deux familles seront sélectionnées pour venir jouer à la fureur et seront jumelées à un artiste. Alors, manquez pas ça, je vous expliquerai comment vous inscrire au cours des prochaines émissions. Pour l'instant, un nouveau jeu ce soir. On en a parlé beaucoup, qui s'appelle « La fosse aux chansons ». Je vous donne les règlements immédiatement. Il y a un participant de chaque équipe qui sera choisi, donc chaque équipe joue séparément. Le participant qui se rend sur la pastille, et qui ne le sait pas d'ailleurs d'avance, va mettre les écouteurs. Il est le seul à entendre la chanson. Il doit chanter pour son équipe, et l'équipe doit deviner le titre de la chanson. Maximum 30 secondes, et l'équipe... Oui! Et l'équipe qui trouve le titre le plus rapidement l'emporte. D'accord? Et si vous ne connaissez pas les paroles, vous pouvez faire la là, vous pouvez mimer le chanteur, la chanteuse, peu importe. Mais attention, si vous reconnaissez vous-même la chanson, vous n'avez pas le droit de chanter le refrain ou les mots du titre. Vous devez chanter ce que vous entendez. C'est très important. C'est d'accord? Alors, bonne chance. Denis, s'il vous plaît, le participant chez les gars. OK, Véro, ce soir, la fureur appelle Serge Postigo! Alors, attends.
attention. Ça, là, c'est vraiment chien. Pour un retour à la fureur. C'est la deuxième fois que je viens ici, je suis le premier à faire ça. Tout un retour. Et j'ai oublié de vous mentionner quelque chose de très important. Vous n'avez qu'une seule réponse à donner. Vous appuyez et on n'accepte qu'une seule réponse. Il n'y a pas d'autre chance. Serge, tu vas entendre mieux si tu le mets sur tes oreilles. OK? Alors, attention. Okay. Tu chantes ce que tu entends. Bonne chance, les gars. C'est parti. Amalgame. Attention, on a une réponse. Amalgame. Bonne réponse. Les gars, on a fait 12 secondes. 12 secondes. Alors, chez les filles, maintenant, Denis, la participante, s'il vous plaît. Véro, la fureur, appelle Sylvie Moreau. Bonne chance, Sylvie. J'ai déjà eu l'air folle dans ma vie, j'ai pas de problème. Tu chantes ce que tu entends, tu peux faire la si tu connais pas les paroles. Les filles, vous avez une seule chance. Bonne chance, c'est parti. OK. Ton chaud pour être dans ta terre. Où c'est le toto, banana dans l'enfer. OK, c'est terminé. C'est terminé. C'était Vivante. Vivante de France d'amour. Sylvie n'a pas essayé, elle s'est donnée. C'était Vivante de France d'amour. Alors, pointage, s'il vous plaît. Maintenant, un cumulatif, c'est 7 à 5 pour les gars. Alors, les gars l'ont emporté avec 12 secondes. On s'arrête et au retour de la pause, Marion Pelcha chante pour nous. OK, Dominique, OK, viens vers moi. Oui. Bouge. Superbe. Ça, c'est le portfolio de Lise Wattier. Pour moi, c'est le produit de beauté indispensable. Avec les beiges, je camoufle les cernes. Le vert me permet de faire disparaître les rougeurs. Avec le lilas, j'ajoute une touche de lumière. Je peux aussi sculpter le visage avec le brun. Comme il donne un fini mat, je fais toutes les retouches directement sur le pâteau pour un teint parfait. Caroline Polémus a été assassinée cette nuit. Tu étais avec Caroline dans son appartement la nuit de son meurtre. On a le résultat du service des empreintes. C'est toi qui l'as tué. C'est toi l'assassin. Résumé innocent. Un ticket pour l'aventure, samedi 19h30. C'est juste pour rire, avec Bruno Landry, Martin Draville, Claude Meunier et Stéphane Rousseau. Juste pour rire, samedi 22h30. Une femme est portée disparue. Il est le seul à savoir où elle se trouve. Une nouvelle technologie va permettre à une spécialiste... Tu es certaine? Absolument. ...de pénétrer dans l'esprit d'un tueur en série dans le coma, dans l'espoir de sauver une jeune femme détenue en otage. D'où viens-tu, dis-moi? Elle est perdue, elle croit que c'est réel. Non! Je vais la chercher. Jennifer Lopez, la cellule. Dès le 18 août, consultez le journal de Montréal. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail, je suis dans la merde. Mais un objet symbolique vient changer sa vie. Votre nom à vous, c'est quoi? Eddie Vuibert. C'est juif?
Je t'engage demain à la boutique commande. Le travail dont il a toujours rêvé lui tombe dessus. L'argent coule à flot. L'amour le poursuit. La vie n'a jamais été aussi merveilleuse. T'es vraiment juif ? Non mais cessez de m'appeler mon père. Je suis rabbin. La vérité si je mens. À Comédie Comédie, lundi 20h. Vos vêtements, portez-les, changez-les, aimez-les. Faites-les bouger, c'est cool. Vos vêtements, portez-les, faites-les courir, salissez-les vraiment. Avec taille liquide, maintenant, c'est cool. Contrairement à la poudre, taille liquide est déjà dissous. Allez-y, chassez la saleté. Maintenant, c'est propre. Vos vêtements, portez-les, aimez-les. Avec taille liquide, ils ont fière allure. Avez-vous déjà pensé à ça? Votre mobilier n'a jamais de congé. Une chance qu'il y a Febreze. Avec Febreze, adieu odeur de tous les jours. Chassez les odeurs là où elles se cachent. Essayez le nouveau Febreze Clean Wash avec votre détergent et éliminez les odeurs là, dans le lavage. Première émission de la saison ce soir et on est diffusé en simultané sur les ondes de C'est quoi 96.9 et Cool FM 98.5. Ne l'oubliez pas, à compter de ce soir. Mon prochain invité maintenant, notre dernier invité pour ce soir, ben c'est lui qui a la chanson numéro 1 de l'été 2000. Mesdames et messieurs, c'est un de ses plus grands succès en carrière. Voici Je ne t'aime plus, Mario Pelcha. Tu n'as rien vu qu'un homme qui voulait te prendre. Tu n'as rien vu mes failles, mes pas, mes gestes tendres. Rien entendu quand j'essayais de te comprendre. Damné, condamné tes démons, t'es disparu. Tu n'as rien vu de l'amour que je respirais. Mon âme à nu, je l'ai révélé sans regret. Tu n'as rien cru. Tu m'as largué comme un déchet, comme on méprise sans raison un détenu. Tu n'as rien su de ma douleur et de mon sang qui ne bat plus que pour inventer des serments, des coins de rue où je t'espère, où je t'attends, ta peau, ton corps et ton prénom. Et ça me tue. Il a fallu que tu t'éloignes de ma porte, de ma vue, pour que je laisse une corde d'inconnu alimenter mes nuits, mes jours, pour protéger mon propre amour et mon salut. Qui déraille, ne donne plus. Mon cœur qui craignait la chamaille a survécu. Quand tu m'as livré la bataille à coups de haine, sans pardon, sans retenue, je n'ai pas su te posséder, te retenir. Je n'ai pas su trouver la force d'en mourir. Je n'ai pas su trouver les mots pour te le dire. Tu l'as voulu, je ne t'aime plus. Je suis crevé, je suis vaincu. Je n'ai pas su trouver les mots pour te le dire. Pour en finir et pour de bon, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus.
Sacha. Wow. Mario, merci d'être là encore une fois. Mario, c'est un plaisir. Écoute, je l'ai dit en te présentant, c'est la chanson numéro un de l'été. Écoute, ça finit plus, là, les premières positions. Je suis tellement content. C'est effrayant, puis l'album va bien, cinquième position. D'autant plus que c'est une chanson que j'ai écrite par Olé Musique et peu de gens savent que j'écrivais aussi, mais parce que ça a pris tellement d'années avant que je me fasse confiance. Oui. Et puis finalement, il n'y a rien comme la vérité. Mais écoute, ça a tellement valu la peine. Mario? Je veux remercier mon violoniste aussi, André Prou. Certainement, André Prou. Il a fait un travail exceptionnel. Et vos musiciens, vous, hein? Oui, ils font tellement du beau travail aussi. Mario, il faut qu'on te regarde comme il faut parce que tu t'en vas encore une fois. Je retourne pour Notre-Dame de Paris, évidemment, dans le rôle de Quasimodo. Mais pour, oui. On va faire le nord de la France et la Belgique dans une salle de 8000 places. Oh, wow! On a hâte que tu reviennes nous voir en spectacle. Jacques, ça commence bientôt. Oui, mais je sais qu'il y a un spectacle en fin de semaine. Dimanche soir. Dimanche, au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, en plein air. C'est un site magnifique pour voir Mario Pelchat en spectacle. Merci, Mario. Merci. On t'aime. Merci. Merci. Je salue tout le monde. Salut! Une petite course pour revenir à ma place pour le dernier jeu de ce soir. Je vous rappelle que c'est 7 à 5 pour les garçons en ce moment. Et on fait le dernier jeu. Cette semaine, on va jouer à Parole des paroles. Alors, je vous lis un extrait de chanson. Vous devez me donner le titre de la chanson exacte. Et ce soir, il y a comme un petit thème. Des chansons avec le mot « fureur » dedans pour la première de la saison. Alors, attention. Première. « A fait fureur avec ses bottines. Ah! » Les gars! Bonne réponse! Seulement à la fin, alors c'est au hasard. Deuxième question. La fureur de vivre des amoureux. Les filles, ça me prend une réponse. Il faut vivre non. Avec... droit de réplique, s'il vous plaît. Un droit de réplique. Il n'y a pas de réponse? OK, je donne une deuxième phrase. Ah, ben non. La fureur de vivre... Les gars! Vivre! Non. Mauvaise réponse. Dernier droit de réplique. Bonne réponse! Non! Alors, c'était Doux de Marjo. Il reste une seule question, pointage qu'on va connaître à la fin seulement. Attention, ça va, là, ça va quand même serré. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Les filles, ça me prend une réponse. Fais comme l'oiseau! Fais comme l'oiseau, fais comme l'oiseau, Michel Fugain. On l'accepte, fais comme l'oiseau! Une controverse. Oui. Michel Poirier me chicane et me dit « Attends, on va régler ça en ondes. Qu'est-ce que tu m'as dit? Prends ton micro. » On a cru, en fait, tous les trois, que ça pouvait être, le titre pouvait être « Comme l'oiseau ». Alors, je te réponds que nous, à La Fureur, on vérifie tous les titres. C'est ton show. Non, mais on vérifie tout. On a une bonne équipe de recherche. On vérifie tous les titres à la Socan et c'est enregistré « Fait comme l'oiseau » de Michel Fugain. Mais la Socan, ils sont dans le champ. Michel Poirier, il a la réponse ici. Je rire pour lui. Non, mais bel essai de diversion, bel effort de diversion quand même. Invite-le plus, Véro, lui. On va voir donc le résultat à la fin de l'émission. On s'en va à la pause et au retour, le pointage final à la première fureur de la saison. Danse.
J'étais sur un vol de nuit quand je me suis mis à avoir des brûlures d'estomac. Le gars d'à côté me dit « Essayez ça, Zantac 75 ». Je le remercie, puis je dis « Je devrais peut-être voir un médecin pour mes brûlures d'estomac ». Il me dit « Vous venez de le faire ». Zantac 75 contient le réducteur d'acide le plus prescrit par les médecins dans le monde. Et une seule dose contrôle l'acidité toute la journée ou toute la nuit. Où que vous soyez, merci, Doc. Zantac 75, l'acidité sous contrôle toute la journée ou toute la nuit. Chantal? Ah! Dîner Kraft est maintenant offert en sachet d'une portion. Voici le nouveau format collation Dîner Kraft Daily Minute. Avez-vous déjà remarqué que les grands bonheurs sont souvent faits de choses toutes simples? Découvrez le monde de Charlotte, cet automne à Radio-Canada. Radio-Canada présente la gang de Tag. Luis Oliva. C'est moi. Laurent Sarquette. C'est moi. Gabriel Arcan. C'est moi. Micheline Langteau. Juste parce que c'est toi. Céline Bonnier. Je suis game. David Boutin. Ouais, je vais à game. Marie-Lise Laberge-Forêt. Qu'est-ce que tu y veux? Caroline Davernas. Quoi? Patrick Goyette. Anne-Marie Cadieux. Sébastien Huberdeau. Laurent Allaire. Leonardo Fuica. Daniel Fichot. Pierre Lebeau. Guy Nadon. Non, je vais continuer comme ça. Tag, cet automne à Radio-Canada. C'est fou, depuis que j'ai découvert le vernis à lèvres de Lise Wattier, je l'utilise tout le temps, que ce soit défilé ou photo de mode. J'adore. J'aime le rose pour le glamour, le nacré, surtout le nacré évidemment. C'est mon style, c'est ma signature. J'obtiens toujours des lèvres super brillantes avec une tenue exceptionnelle. En tout cas, sur le podium ou dans la vie de tous les jours, pour moi, le vernis à lèvres de Lise Wattier, c'est un meuf. C'est notre première émission de la saison à la Fureur et on sera là jusqu'au printemps prochain. Très content d'être de retour. Alors, un très beau match ce soir. Juste avant de dévoiler l'équipe gagnante, je voulais vous mentionner qu'on a des nouveaux cadeaux cette année. Alors, si l'équipe des filles l'emporte, nos quatre artistes invités repartent avec une trousse de produits maquillage tendance de Lise Wattier. Et si ce sont les garçons, nos quatre artistes invités repartent avec une gamme de produits parfumés neige pour hommes, évidemment. C'est un beau cadeau de Lise Wattier. Alors maintenant... Attention, on va dévoiler l'équipe gagnante. Je vous rappelle que si les gars ont eu la question à 5 points, ils l'emportent. Sinon, ce sont les filles. Bravo tout le monde. Et c'est un total de 13 à 8 pour les filles. Une douce revanche suite au match des étoiles. On s'était quitté sur une note négative pour les filles au printemps dernier, alors c'est une belle revanche. Bravo! Sortez tous vos coupons. Cette année, Germain Larivière offre 4 000 $ à la personne gagnante.
Alors attention, c'est le 041 657 041 657. Rapidement. Alors 4 000 $ chez Germain Larivière en ameublement et appareil électronique. Viens ma belle. Attention. Contente. Comment tu t'appelles? Sylvie Lévesque. De quel endroit tu viens? De l'Épiphanie! Yeah! Bon, une grosse gang de l'Épiphanie. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bon magasinage chez Germain Larivière. Salut, ma belle. Bye-bye. Mais venez-vous-en, les deux équipes. Hey, c'était notre première émission. Je vous le rappelle, on sera là vendredi prochain en direct à 20h. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe de La Fureur. Je vous souhaite tous une très belle saison. La semaine prochaine, on revient avec Natacha Saint-Pierre et Martin Deschamps et plein d'autres joueurs à La Fureur. Bonne fin de semaine. On vous aime.